Bonjour à tous. Alors, vous reconnaissez peut-être, on est en vallée de Luce. Et bonjour. On est chez nous pour une fois. Et on part faire quoi aujourd'hui? Lac de Bastamp. Mais on part plus bas parce que le parking est complet. Donc on va monter un peu sur la route, mais bon, ça nous échauffe tranquillement. Allez, on y va donc. Allez. Donc il y a un tout petit parking. Voilà, on quitte la piste. Un petit panneau jaune avec une flèche. Une jolie petite fenêtre sur le Bergons. C'est raide hein, la montée. Ouais. Heureusement, il y a un petit peu de vent. Oh. Beau. Hein. Ouais. Voilà, on aperçoit le sentier de la conduite d'eau qui descend du lac de Bastamp. Thank you.
juste au-dessus là. Voilà. Il y a deux options, donc par la droite une boucle qui fait à peu près une heure de plus. Une demi-heure, pardon. Et par là en fait en direction de la cascade et de la main courante. Donc visiblement on se dirige vers la cascade et la main courante. Hein. On verra si ça passe. On verra si ça passe, ouais. C'est chouette. Hein. Donc le lac est au-dessus là-bas et normalement on passe au-dessus des nevés qui sont face à nous là. Voilà, bon ça va, il n'y a pas trop de débit, ça va passer tranquille. Là. Ouais, ça glisse. Ah, encore un tout petit taille, fais gaffe. Ouais, il a abîmé le cadre. Voilà. Voilà la fin du chemin, un peu scabreux, mais sympathique. Voilà, donc le sentier part par là, et ensuite on va passer tout là-haut. Voilà, on arrive au déversoir du lac là au-dessus, enfin il est un petit peu plus loin, voilà, on y est presque. Allez, un dernier petit effort, on y est presque.
ça va, j'ai pas pris l'eau. Vive les Gore-Tex. Et voilà le lac de Bastamp avec son île. Superbe. Pas mal là. T'aimes pas la pause terrasse? Ouais, j'ai vu. Pause déj est terminée, encore une super terrasse de resto. Et on repart par le même chemin parce que l'intérêt du tour du lac ne semble pas très probant. Voilà, ce matin on est arrivé par là et là on va faire la petite boucle, la petite variante pour éviter d'avoir à redescendre le passage avec la main courante, qu'il vaut mieux prendre à l'aller qu'au retour vu comment c'est glissant.
dirai pas, mais ça descend très raide. Ah, le sentier qu'on suit part légèrement à gauche et en fait on va retomber au niveau de la conduite d'eau là. Ce joli petit serpent. Voilà, on a la conduite d'eau face à nous. Ah, la descente est exigeante aussi. Hein. Face à nous là-bas, la vallée de Luz qui remonte sur, sur Barège. Ça y est, on a rejoint la conduite d'eau. Voilà, on descend toujours en direction de la cabane, on ne devrait plus trop tarder à l'apercevoir. Le sentier n'est toujours pas de tout repos. Hein. Voilà, on est passé à la cabane. On va aller y faire un tour. Les premiers rhododendrons. Maintenant les asphodèles. Ça y est, on est de nouveau entré dans la forêt et ça ne va plus nous quitter quasiment jusqu'à l'arrivée. Ah, on est sorti un peu de la forêt.
normal, c'est le passage de la ligne à haute tension. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais il faut bien que l'électricité soit amenée aussi dans les villages. Ça y est, on a retrouvé la piste. Il est long le retour, hein ? Ouais. Cette longue descente dans la forêt, là, c'est interminable. Voilà, ça y est, on est de retour au niveau du parking. Il ne reste plus qu'à descendre quelques lacets jusqu'à la voiture. Mais voilà, on est de retour à la voiture. Dans la voiture, même. Ouais, même dans la voiture, on n'en peut plus. C'est une sortie quand même assez exigeante parce que le terrain n'est pas facile. Il y a 1000 et quelques D+, 15,5 km. Et c'est surtout le terrain qui est pas bien roulant. Donc on a notre dose, ça suffira pour aujourd'hui. Ouais. Hein? Check? Check. Check. À bientôt.